Salut toi. Et c'est reparti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvel entraînement et bombe, ce sera le troisième. Donc si vous voulez aller voir les autres, les deux précédents, n'hésitez pas, je vous mets juste le lien ici, cliquez, comme ça vous pourrez voir les deux autres que j'ai fait. Et aujourd'hui, on va travailler sur le bas du corps et plus particulièrement les fessiers. Toujours pareil, une minute pour faire un certain nombre de répétitions. Et ensuite, le temps qui vous reste, vous récupérez pour repartir derrière. Et aujourd'hui, j'ai choisi deux exercices qui ciblent vraiment les fessiers, puisque c'est l'objectif du jour, viser le travail sur les fessiers. Pour commencer, on fera des hip thrusts et ensuite on fera des squats larges. Je vous montre les deux exercices pour la technique et après je vous explique combien on en fait et pendant combien de temps. C'est parti! Ce seront nos deux exercices du jour. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le hip thrust se fait sur une seule jambe pour augmenter la contraction musculaire et avoir un peu plus d'impact et donc de résultats derrière. Pour les squats, le fait d'être large, ça va cibler un peu plus les fessiers latéraux. Donc pensez juste à ouvrir largement les pieds avant de commencer et poussez vos genoux vers l'extérieur. Ok, ça engagera les fessiers et ce sera beaucoup plus efficace pour ce qu'on veut travailler aujourd'hui. Et le nombre de reps aujourd'hui sera de 10 sur chaque exercice. 10 hip thrusts sur la jambe droite, 10 hip thrusts sur la jambe gauche. Vous vous relevez et vous faites 10 squats larges. Et ça, on va le faire, on reste sur la règle des 10, 10 minutes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, mettez toujours le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires pour pouvoir améliorer mes vidéos, que je progresse toujours pareil dans le bon sens. Si ça vous dit de faire d'autres choses, donnez-moi des idées, il n'y a pas de souci, moi j'essaierai de faire au mieux derrière. Quoi qu'il en soit, à la fin de la vidéo, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner à la chaîne et pour voir toutes mes autres vidéos. Dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens des réseaux sociaux, donc pareil, n'hésitez pas à les suivre. Ça me fera aussi plaisir et vous pourrez être à jour sur tout ce qui va sortir et tout ce qui arrivera derrière. Bon training, gardez la pêche et comme d'habitude, soyez des athlètes.